Plus on est devant vous aujourd'hui, c'est le dernier, toujours comme d'habitude. Voilà, vous avez constaté qu'on n'a pas fait de cérémonie, comme on dit dans notre jargon. Voilà, le monsieur il est à côté de nous. Vous avez vu un peu le clip qui est passé. Il s'agit de Dekis du groupe Les Surchocs, un groupe mythique de la musique ivoirienne et africaine. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, ici, quand on dit les groupes musicaux, sinon les chanteurs qui ont marqué l'histoire de ce pays. Ce monsieur, il en fait partie avec son groupe Les Surchocs. Merci. Patron. Les Daïrés. Ouais. Les vieux. C'est le dangereux, les Daïrés. C'est le Daïrés. Ah. Les dangereux sont beaucoup. Moi, ici, les Daïrés. Si, d'accord. C'est toi qui as Ariel Chant là. C'est le Daïrés. C'est le Daïrés. Il sait pas. Non, mais t'es Daïrés. C'est moi, le Daïrés. D'accord. Okay. Je suis un Jaïr. Ouais, c'est un grand frère. S'il appelle vieux père, c'est normal parce que c'est un grand frère. Moi, je respecte tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de passer à l'émission Fafa. Écoutez, oh, musique, je dis merci. Merci à Fafa, au contraire, ça me fait plaisir. Cette opportunité qu'on m'offre, moi, c'est à saluer. Merci à Fafa, au Daïré. Super. Alors, on va rentrer en même temps dans le vif du sujet. Bon, tout le monde sait qu'il y a ce choc, même les enfants qui sont nés aujourd'hui savent. Voilà, on sait ce choc et tout. Mais moi, la première question que je vais te poser, c'est. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que l'aventure sur choc a commencé? Nawala titile, suchole yo, nawala titio, 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 sommes à danse, à bougon danse, il n'y a pas sexy danse. Voilà, suchoc est un groupe composé au départ de 32 personnes, dont 8 filles et le reste des garçons. Mm-hmm. Et c'était un assemblage de jeunes qui venaient de partout, des 10 communes d'Abidjan, c'est-à-dire Yopougon, Abobo, et qui étaient sélectionnés parce qu'il y avait une audition pour pouvoir faire partie du groupe Suchoc. Groupe Suchoc, on appelait d'abord Super Choc au départ, qui a été rebaptisé Suchoc parce que ce groupe ne laissait personne indifférent de par ses prestations. Et donc ce groupe était composé à la base au départ de 32 personnes au couloir moulin de l'autoroute, Trècheville. Voilà, c'est-à-dire que moi par exemple, après avoir obtenu mon entrée en 6e, j'étais affecté au couloir moulin de l'autoroute. Voilà, et c'est arrivé là-bas que j'ai fait l'audition. Et on a vu que bon, ben, j'avais les compétences et tout. Mais qui s'est chargé de sa audition? Bon, on n'en parle pas. Ben, lui, audition, voilà. C'est pas l'INSAC. C'est vrai que c'est pas l'INSAC, mais bizarrement, ce groupe-là avait vraiment une rigueur, un sérieux. Et parce que c'était un comité d'animation qui devait se former au niveau du collège autoroute. Ah, d'accord. Voilà, pour pouvoir aller participer aux compétitions sportives qu'on appelait en son temps OASU. Ouais. Voilà, où étaient vraiment révélés des talents, des vrais sportifs. Et donc, nous, pour animer ces compétitions-là, il fallait prendre des gens déjà guéris. Ouais. C'est comme ça que je faisais des petits tests. Mmh. Voilà, les tests-là, il fallait savoir faire quelque chose. Voilà, moi j'ai eu la chance que j'ai eu par exemple, moi de Kiss, j'étais déjà dans l'ambiance facile au niveau des sorties, avec les écoles EPP Palmeret, Yopougon, que j'ai fait un peu, tout ça. J'ai essayé de montrer ce que je savais faire et après, je suis devenu la meilleure doublure, la voix doublure du Zouglou. Voilà, et c'était en ce temps, on va dire en 88 par là. Mm-hmm. Voilà. Et donc c'est comme ça le groupe est parti. Et c'était en même temps une troupe et un groupe d'animation, ambiance facile, comme on le disait avant, c'était les esprits gazeurs. Mmh, voilà. Gazeurs, ouais. Voilà. Ah, donc voilà comment le groupe. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, au collège moyen de troupe. D'accord. Maintenant, comment dans quel coup, voilà, vous êtes 32, après on voit que vous êtes finalement 4. Au moins aujourd'hui, j'apprends qu'il y avait des femmes dedans. Tout à fait. Moi j'apprends qu'il y a des femmes. Sinon, nous qui avons connu ce choc, on vous a connu. Au moment de la gloire, donc nous ne pouvons pas savoir que vous étiez jusqu'à 32 personnes. Dans quel coup vous êtes retrouvés finalement à 4? Ben, nous sommes retrouvés à 4, pourquoi?
Alors, vous savez, un groupe, c'est comme un train qui roule à chaque arrêt. Il y a des passagers qui descendent et un qui montent. Et c'était ça aussi le groupe Suchoc. C'est-à-dire les tests continuaient. Et pendant qu'on menait ce chemin-là, il y en a qui étaient affectés après dans d'autres collèges, etc., etc. Mais nous sommes restés après, je crois, 22 pour... nous sommes restés pendant 4 ans. Les 22 personnes sont restées ensemble. Voilà. Et pendant ces 4 années-là, on était en train de, on animait vraiment dans toutes les 10 communes d'Abidjan. On était le meilleur groupe d'animation. Voilà, modestie oblige, mais il faut le dire. Mm-hmm. Voilà, il y a un groupe incomparable. Et nous sommes restés 22. Les 22 aussi, Apollos Diaby, qui a été le chef du groupe après Kouyi Lazare, Makoy, qui est en ce moment au Mali. Apollos est allé à Village Kiyi. Non, arrivé au Village Kiyi, il a été suivi par Cosme à Nice. Moi aussi, je suis allé, tout. C'est-à-dire que de là-bas, il revenait, on faisait l'ambiance facile. C'est devenu une troupe aussi en même temps. C'est pourquoi il y avait des filles dedans. Mm-hmm. Et ces filles-là aussi, bon, après, elles ont regagné des foyers, elles sont mariées. Les blessures de Larissa Pé à son âme, maintenant, qui sont décédées, tout. Ozigré, qui a commencé en ce moment, tout ce qui a formé aussi des groupes d'animation là-bas. Donc, des 22, sont partis de deux groupes d'animation au niveau d'Abidjan. Diaby Apollos après a regagné Yopougon, lui il a formé les garagistes, c'est lui qui a formé le groupe garagiste. Ah bon? Diaby Apollos de Suchoc, qui a formé Soumbil, qui a formé tous les autres. Et voilà. Et donc, si vous voulez, c'est parti un peu comme ça. Et voilà, on s'est retrouvés à 4. On est resté 12. Uh-huh. Les 12, nous sommes allés faire un album. Le premier album qui était Suchoc en fait. Uh-huh. 90-91. Zio, maman, le carré, donc les 12, voilà. Et quand on a fait cet album-là, qui a été produit par Chakara Music, parce qu'on ne voulait pas, depuis qu'on animait, on ne voulait pas faire d'album, rien du tout. On était fiers de prendre notre tam-tam, aller nous balader dans les 10 communes à pied et revenir. On avait l'amour de ce tam-tam-là. Voilà, on ne demandait rien du tout, même pas de l'argent aux gens. On partait montrer qu'on avait du talent. Et donc des 12, on a souhaité qu'on fasse deux groupes. Donc il y avait un groupe qui était produit par Jenny, un producteur, et il y a un autre groupe qui était produit par Chakara Music, où nous sommes restés 6. Anissé, Ali Kapi Pé à son âme, Gorijan Serre Pé à son âme, Priva, Jacou et moi. Donc les 6 nous avons évolué et au fur et à mesure, Kapi a voyagé là en Suisse, Anissé a rejoint le village qui aussi, l'orchestre de la ETI pour jouer, Tasman William qui est aussi parmi les 12 aussi, est devenu commissaire, bon il y a plein de choses, il est devenu policier, donc il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on est resté 4. Donc les 4 ont mené l'aventure et on a tout abandonné, moi mes études, les autres aussi les études, pour pouvoir nous lancer dans la musique, aller en France tout et continuer la musique tout ça. Donc voilà comment est-ce que nous sommes restés 4. Mais quand on revient quand même au quartier, c'est-à-dire on a créé une association du groupe Suchoc. Cette association, les 12 sont toujours là. D'accord. Voilà, les 12 sont toujours là. Bon, sauf Aka Daniel aussi qui nous a dépensé d'un pas, qui est décédé aussi. Mais voilà, personnellement, Joe Marco aussi, personnellement. Sinon, le reste sont toujours restés. Au Batanikro, à Makori, on se retrouve. Quand on vient pour le festival, on se retrouve. D'accord. Et moi, je ne comprends pas un truc. Pourquoi les artistes, à chaque fois, ils doivent fuir les premiers producteurs? Je ne sais pas. Le Hockey Record vous a fatigué avant que vous ne sortiez. Maintenant, vous avez le succès. Ouais. Celui même qui a galéré avec vous, Chakara Musique, vous le laissez pour aller chez Hockey Record. Moi, je ne comprends pas. Bon, il reste pour vous. Pourquoi? On n'a pas fui. Nous, on ne fuit pas. Si je ne recule jamais. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes des enfants de cour commune. Nous, on aime la perfection. D'accord. Et quand Hockey Record est arrivé, on a vu comment il a travaillé avec les parents du campus aussi, tu vois. Et il était même le directeur marketing de son nom qui était Chakara. Donc, bon, on était plus en contact avec lui. Ah, c'est lui qui revient nous voir. Donc, pour nous, on part avec celui qui est plus en contact avec nous. Et pour nous, l'objectif est d'aller plus haut. C'est comme ça on est allé avec Hockey Record. Sinon, on n'a pas vu, on ne fuit jamais. D'accord. Mais votre première chanson, là, c'est qu'est-ce qui a arrangé ça? C'était Koudou Athanase. Koudou Athanase et Koudou Athanase qui était l'arrangé principal. C'était autant de. C'était autant de. Oh là là, j'ai oublié son nom, le studio séquence à Haute Plateau. C'était un ancien studio Haute Plateau, près du Cash Center. Et c'était arrangé par Koudou Athanase et le mixage a été fait par
Ah, mais ce monsieur-là, je l'oublie, mais c'est un Ghanéen, il est rentré. Mais il avait vraiment, en son temps, c'était les bandes qu'on remuait, les mains, tout ça, là, voilà. Mais c'était vraiment, c'était bien, c'était bien fait. Et il a arrangé, c'était Koudou Atanas. Il a fait vraiment. Koudou Atanas, mon père, que je salue au passage. Monsieur Koudou Atanas. Que je salue aussi, un grand monsieur. Ah, ouais, non, c'est ça, c'est des grands ingénieurs de son. C'est-à-dire que, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'ingénieurs de son, on a Mastery ACP à son âme, on a Koudou Atanas, et après aussi Freddy Asouba qui est en ce moment en France. Voilà. Non, je ne dis pas des ingénieurs de son quand il y a des gros concerts. David Tarou s'en arrange, ce n'est pas des ingénieurs de son. Tu vois? Mais quand je ne dis pas des ingénieurs de son, ceux qui font que ça, qui font vraiment du son sur des gros concerts. Ouais. Voilà. Donc, David, il connaît bien, mais lui, il est plus arrangeur, voilà. Mais pas technicien sur. D'accord. Maintenant, dis-moi. Quand le premier succès est arrivé, tout ça, après vous êtes allé avec OK Record et tout. Est-ce que ça dit que. Parce que moi je constate que Suchoc, ça, en fait, ça a commencé comme ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est des succès en succès. Succès. Moi je ne me souviens pas, personnellement je ne me souviens pas d'un album que vous avez sorti qui a, comme on dit, tapé poteau. Voilà, peut-être que c'est le dernier, comme vous n'êtes pas sur place. Voilà, vous ne faites pas la promo comme il se doit, mais voilà. Quand vous étiez là, tous les albums que vous avez sortis, ils ont tous marché. Ils ont tous marché. Mais aujourd'hui, là, votre premier, c'est-à-dire que le premier gros succès qui vous a fait voyager réellement dans le monde, un peu partout, c'est lequel? L'album qui nous a fait voyager, qui nous a fait au monde entier, 7 mois de galère avec Zizanambe, le premier album, et 2 autres mois plus tard, explosion musicale, on va dire, on rentre à Kotare Suchoc directement, depuis notre premier album, et on nous demande, est-ce qu'on peut vous envoyer en France. Déjà dans l'ambiance facile, on nous sollicitait déjà, je vous ai dit tout à l'heure, on allait à Yamsoukro dans la famille, nous fous, etc. On voyageait déjà. Mais à l'extérieur, c'est le premier album qui nous a emmené des apporteurs d'affaires, des tourneurs tout autour. Donc, on a refusé d'aller en France. Et ça, c'était en 91-92. On a refusé d'aller en France. Vous avez refusé d'aller en France. On a refusé en France. Mais pourquoi est-ce qu'on a refusé d'aller en France? Il s'est trouvé que, comme à leur habitude d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, les producteurs, ils viennent, ils voient un groupe qui peut-être n'est pas solide, ils prennent le lead vocal ou deux personnes, ils les amènent en Europe. Pourtant, un groupe, c'est tout le monde. C'est un groupe, Tu ne peux pas prendre le groupe en compte, tu n'as pas les moyens, tu laisses le groupe tranquille. Tu vois un peu. Et il y a beaucoup de groupes qui ont été victimes de ça. Nous, on a dit non. Ils ont voulu prendre personnellement ces gens, privat. Voilà. On était 7 nombreux et ils laissaient les autres. Ils ont dit non, si ceux-là ne bougent pas, on ne peut pas bouger. Donc, le premier album, déjà, on a eu 2 propositions d'aller jouer en France qu'on a décliné. Deuxième album, il n'y a pas de domicile, où vous voyez. Rebelote, les gens reviennent vers nous encore. Non, des kids comme toi, tu danses tout. Tu peux venir à privat. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous, on a grandi ensemble dans cette ambiance facile. Et on sait comment on dormait à la belle étoile, on est ensemble. On ne peut pas aller sans l'autre. On va tous ou pas. Ce n'est pas le cachet qui nous intéresse, mais il faut qu'on parte tous. Donc, on décline l'offre. Troisième album, Dieu est témoin, avec N'est pas sexy. Non, on l'a titulé. On vient encore nous trouver. On dit non, si vous n'avez pas les moyens, laissez-nous. Donc on reste à Abidjan, on entend les ports de la rue vont, Boubioudi vont en France, Petit Denis part, tout ça. Parce que les derniers viennent nous voir que ça ne marche pas, ils vont voir les autres. Et un matin, on s'assoit, on dit bon les gars, on est à notre cinquième album, tout ça. Nous-mêmes, on va s'arranger, on va aller en France pour enregistrer là-bas. Et donc un jour, à son âme, la femme de notre camarade Séjean, qui s'appelle Mariam Dao, elle arrive à Abidjan, elle fait la connaissance de Séjean, tout, ils sont ensemble, et elle décide de nous amener en France. On dit, mais on va aller en France là, c'est pour faire quoi? Non, je veux que vous veniez, on va avoir des contrats là-bas, des spectacles, tout ça. On partait en vacances. Donc moi, bon, étant étudiant, non, je ne vais pas. On me persuade à la partie, et j'accepte. On fait les démarches et un matin, bon, quand tout attend, on se lève, on prend notre vol, on part avec Mariam à Paris. Et c'est dans l'avion, donc on partait en vacances à Grenoble, et c'est dans l'avion qu'on croise un grand promoteur qu'on appelle Yao Jules, qui tenait une grosse boîte qu'on appelait le Nelson à Paris, qui nous prend dans l'avion et on signe nos premiers contrats. Dans l'avion? Ah les gars, vous partez où? Non, on va à Paris.
Il dit, ah, je vous cherche depuis longtemps, vraiment, est-ce qu'on peut. Bon, on dit, bon, on est déjà là, tu nous donnes combien? Il dit, bon, 3 millions. En son temps, 3 millions. C'est comme si aujourd'hui on dit à un artiste, bon, tu viens jouer, il te donne 12 millions. Mm-hmm. Oh, ouais. Donc, 3 millions, on a signé dans l'avion, les passagers nous regardaient, on a conclu. Ah, le gars, il avait déjà ses papiers, tout sur lui. Tout. Ça, c'était un vrai promoteur de spectacle. Mm-hmm. Voilà. Il est encore vivant, Yao Jules. Donc, ah bon? On signe le contrat, tout, et il nous donne l'avance dans l'avion. Donc, les passagers qui sont à côté. Ah, lui, ça dit que lui ça ne chauffe pas. Non, il est rapide. Ça, c'est opérationnel. Voilà, c'est la promotion des QO, qui avaient les grands bois. Oui. Donc, il est opérationnel. Les blancs sont assis, sont étonnés. Donc, on compte là, on prend, bon, pas la politesse, ce n'est pas notre manager, mais on dit, madame, voilà l'argent. Elle prend, bon, elle garde, bon, les gars, ok, on y va. Il dit, bon, si on finit, le Nelson, il fait une tournée au niveau de la France, province, uh-huh. Et on part en Allemagne. Donc, dès qu'on est arrivé à Grenoble, on a fait juste, je crois, un mois. Dans la neige, tout on avait un mois, et on allait jouer sur Paris. Quand on a fini le spectacle, bah, on a commencé à tourner. Maintenant, il fallait revenir. C'était en 99. Mm-hmm. Tu connais, hein? Mm-hmm. Paris, personne ne veut revenir. Mm-hmm. Oh, moi, j'aime papier, il faut que je revienne. Bah, il y a envie de voir mes camarades de classe, tout ça. Mm-hmm. Il n'avait pas dit, on revient, c'est parti. Voilà, et donc, il décide de revenir sans mes camarades. Je reviens à Abidjan. Donc, tu es revenu sans eux. Je suis revenu sans eux. Voilà, en 2000, je décide de revenir sans eux. Et je reviens, continue mes études de communication, etc. Des choses, tout ça, tout. C'était vraiment dur. Mais comme si je choquais un esprit, ils ne m'ont pas laissé tomber. Il y avait un deuxième album à faire. Et le sixième album à faire. Okay. Et donc, mes amis décident de me faire venir. Je leur ai dit non, vous venez ici, tout. Donc, on a échangé là-dessus. Et en ce temps, c'était Jazz Music, il s'appelle, j'oublie son nom, Texier, voilà. Mm-hmm. Il avait changé de coin, ils étaient maintenant en zone 4. Il les fait venir, tout. Gorijan Serge devait se marier, celui qui, mm-hmm. par qui on est parti, par le biais de sa femme, voilà, il devait se marier avec elle. Donc il a essayé de s'asseoir à son mariage, mm-hmm. venir enregistrer l'album Duel des Dieux, mm-hmm. voilà. Et quand il est arrivé, bon, il est tombé malade. Ouais. Donc séance tenante en studio tout, il n'allait pas bien, on voulait tout arrêter tout. Il a insisté, il voulait forcément être partout avec nous. Je me rappelle la dernière émission qu'on a faite, c'était à Bassam, un tempo à Bassam. Et là, notre camarade vraiment, il était mal en point, il était en train de partir, tout ça. Il a voulu quand même essayer de s'en aller avec nous. Bon, on a fait le spectacle tout. J'étais même à côté de lui en train de le tenir pendant qu'on dansait pour fermer un peu. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est après ça que. Voilà, il est décédé, et c'était dur pour nous, c'était en 2000, c'était un moment dur pour nous, tout. Dans toute la Côte d'Ivoire. On a décidé de tout arrêter, on ne voulait plus rien quelqu'un faire. Quelqu'un veut se chanter, marier, tout, il vient tout. Chanter en Côte d'Ivoire, une maladie. Ça, est-ce que c'est pas... C'était pas. En Afrique, on connaît. Non, il faut le dire parce que ça. Voilà, on a été témoin de beaucoup de choses. Mm-hmm. C'était dur pour nous. Voilà, les gens, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment très, 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 très religieux, très spirituel quand même. Mm-hmm. Donc, il y a des hommes de Dieu à gauche, à droite qui parlent, il y a plein de choses. Donc, il y a plein de choses que tout nous a été dites. Mm-hmm. Et on n'avait pas le pouvoir de réagir parce que c'était des attaques. Mm-hmm. Bon. On remet tout à Dieu et on l'a mal vécu. On a fait 2 ans sans faire d'album parce qu'on n'en avait plus besoin de faire un album. Ouais, notre camarade qui était partout avec nous, notre camarade qui était partout avec nous n'est plus là, tout. On a décidé de tout laisser tomber. Donc 2001, et c'est en 2002. Mm-hmm. Moi j'étais revenu encore pour les études et les hommes nous ont dit « Ah, vous pouvez nous faire ça pour la mémoire de votre frère ?» Essayez de faire quelque chose pour sa mémoire, pour sa mémoire. Bon, il fait des faits, un pèlerinage sur sa tombe, mm-hmm. ça va vraiment faire quelque chose à tout Abidjan parce que les gens vous ont aimé. Donc ça a été un élément qui nous a vraiment démotivés et on n'a même pas eu l'envie même de revenir. Bon, donc en 2002, on sort un album encore et on revient, difficilement d'ailleurs, avec Magnum. Nous, c'était en 2005, on fait Magnum, mm-hmm. qui est un album... on a fait un album après, en 2002, pardon. Mm-hmm. Dieu et amour, on a fait un album pour. Voilà. Et après, on a fait deux autres albums qui n'ont pas vraiment marché comme cela. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, on était là-bas pour venir ici voir un papier. Mm-hmm. Donc, vous avez des gens aimé l'album. Tout ce qu'on a fait, les gens ont aimé ici. Mais il n'y a pas eu de suivi. Mm-hmm.
là, tu prends fou. Oh, chez nous, Abidjan, maintenant, il n'y a plus gars où. Mmh. Tout le monde nous attendait. Bien sûr. On n'a pas pu venir. Moi, j'ai trop joué sans boîte. Parce qu'on ne pouvait pas venir. Voilà, on ne pouvait pas prendre le risque de venir et puis être bloqué, tout ça, tout. Mmh. Voilà. Mais on vient de loin, on est à la fin de cours commune, c'est la mesure d'envoyer quelque part. Mmh. Quand tu te traînes la main une fois, deux fois, il faut l'accrocher, comme dit Petit Denis. Mmh. Sinon, c'est trop tard. Ah ouais, ça va. On a des morceaux d'amour qui ont été plagiés, mais le Zoulou, ça réussit toujours. Mmh. Et... Ça a été plagié par qui? Ça ne s'en fait savoir. Qui est-ce qui a volé le son de Sushok? Ils ont volé, ils ont écouté l'album, ils ont volé, ils ont pris quelques dogs, ils ont complété un peu, ils ont collé, puis ils ont fait des morceaux. Le mot vol est un peu fort, mais bon. C'est-à-dire plagier. Ouais, plagier. Plagier, c'est blanc, il a dit plagier. Donc, non, c'est vol, ils ont volé. D'accord, donc ils ont volé. Mm-hmm. Bon, un voleur était un voleur, mm-hmm. Donc voilà. Voleur n'est pas mécanicien. En tout cas, voleur, c'est voleur. Voilà. Tu peux avoir un pilote, et puis tu as dit non, les ménagers, les pilotes. Donc, ils ont volé le son, David Daré, ils ont volé le son. Mm-hmm. Et ils ont mis le son sur un jeu PlayStation. Les Konami, voilà, FIFA Street. Mm-hmm. C'était une grosse maison aux États-Unis. Mm-hmm. Et donc, du coup, on fait des recherches pour voir qu'est-ce qui a pu faire ça. C'était mm-hmm. en 2005. Les petits wesh, les petits arabes, mm-hmm. les petits fous des bains mm-hmm. qu'on appelle les wesh. Mm-hmm. Donc, ils arrivent, ah, mais les vieux wesh, mais on a vu votre morceau sur le son là. Tous les enfants jouent le jeu. Mmh. Et le morceau est chanté intégralement du début jusqu'à la fin. Mmh. Fou, chez nous, habillé tout dans le jeu. Et le jeu est vendu à 59 euros. Donc 60 euros. Ce qui avoisine facilement les. On va dire les. 60 euros, ça fait à peu près 40 000. À peu près 40 000, 45 000. Là. Mmh. Voilà. Et donc nous, on découvre le jeu, on prend le jeu. Et on décide comme ça de prendre un éditeur. Parce qu'on ne sait pas qui a fait ça. Donc on prend un éditeur. Là-bas, là, chacun a sa place. Moi, mmh. l'éditeur, lui, il est chargé quand même de veiller sur l'image, sur le bon déroulement de l'album, de comment ça se passe, tout le monde, c'est son truc. Et donc, lui prend un avocat et il essaie d'attenter une action en justice. Donc, on tombe sur un avocat, un Ivoirien, qui a eu tout le gros diplôme, Maître Eric Ballet, qui dit que lui aussi, il a souffert en France, en Europe, malgré ses diplômes. Souvent, on ne l'a pas reconnu, mais il a montré aux gens qu'il est fort. Mmh. Et il décide de nous aider sans prendre un rond et on passe une base de contrat au cas où ça marche, tout. Donc lui, il rentre dans la danse et seul compte 6 avocats, dont des juifs, etc., des États-Unis, tout. Donc le gars, depuis 2005, donc 2009, il prend le dossier en main en 2009 et il décide de se battre. Et en 2012, on gagne le procès. On découvre que c'était showbiz en son temps. De M. Bassolet. Non, pas Bassolet, c'était Constant en son temps. Constant, voilà, c'est en sous-temps et conseil autre que eux, ils ont signé un contrat avec la maison de PlayStation là. Non, avec notre producteur, selon eux, qui lui aurait cédé le son. Mm-hmm. Et un membre de notre groupe aurait signé le droit de cession. Mm-hmm. Et suite à cela, ils ont donné le son à Kiki Touré. Mmh. Qui lui aussi maintenant était en contact avec les grandes maisons, donc c'est comme ça c'est parti avec FIFA Street qui est la grande maison. Tout. Bien sûr. Bon, donc c'est un appel judiciaire. Donc ça commence à prendre forme de tout ça là. Et entre nous, les Sushoks, ça devient une guerre. Qui a signé? Personne ne veut parler. Mais qui a signé? Qui a signé? Donc la guerre commence. On fait des investigations, l'avocat, on envoie des signatures pour contre-attaquer notre avocat, ils envoient des signatures du Burida. Ou la signature de celle de Priva, notre chanteur Lise, Priva de Sushok. Mm-hmm. Bon, comme c'est une affaire arrivée en justice, tous les dossiers sont montrés, on s'assoit à chaque fois, on fait une réunion à l'avocat, on voit la signature, on ne reconnaît pas la signature de notre frère. C'est-à-dire que c'était contre-signé en fait. Ouais, voilà. C'est une falsification. Donc, on prend des graphologues pour voir un peu l'authenticité de la signature, des choses qu'on a. C'était une grosse affaire. C'était chaud, hein. Voilà. Les graphologues sont rentrés dedans. Donc, il y avait plein de choses. Mm-hmm. Bon. Est-ce que notre frère a eu un petit jeton, mais il n'a pas signé, donc, comme il a eu un petit jeton, peut-être que le gars a cru que c'était bon, ils ont voyagé à le truc. Mm-hmm. Oh, c'est pas ça, c'est un groupe, on est 3 personnes. Mm-hmm. On a tous signé nos documents, depuis on était 12 ensemble. Jusqu'à 3 ensemble. Quand on a un son, ce qui fait que le secret de notre unité, c'est ça. Si on a un son, que ce soit moi qui soit le compositeur majoritaire, chacun est auteur-compositeur. On a les mêmes droits au Burida. Ceux même qui ne sont plus dans le groupe Sushok, leurs droits sont toujours au Burida. Quand on vient ici, on lutte pour qu'ils viennent au Burida. Donc,
n'y a pas quelqu'un qui a plus que son ami. Mm-hmm. Quand on a un franc, on les partage, qui n'est pas égal. Mm-hmm. Et donc, on a discuté entre nous et on a vu que bon, Pluva n'avait pas signé, mais il avait été approché par qui tournait, etc. etc. Mm-hmm. Et suite à cela, le son est sorti. On a gagné le procès. Ah, c'est bon. On a gagné le procès. Ça, maintenant, c'est pas compliqué, j'ai le temps, hein. Il faut nous payer, il faut les dommages d'intérêt, il faut, les droits d'exécution mmh. publique, parce que ça a été vendu dans le monde entier. Mmh. Oui, même en Australie, il y a eu des investigations tout autour. Bon. Donc la SACEM décide de ne pas nous payer. On se rend à la SACEM, mmh. au service juridique de la SACEM, on arrive, ils trouvent que non, on n'est pas des artistes connus. Je suis sûr que nous pas artistes connus. Donc, je leur ai dit, mais c'est vrai, on n'est pas connus selon vous, parce qu'on n'est pas Johnny Hallyday. Donc, il a dit oui, effectivement, tout. Donc, il dit, on n'est pas Johnny Hallyday, c'est vrai, mais on est ce qu'on est, et vos institutions ont plagié nos sons. Mais c'est qu'on est connu. Donc, vous, si vous êtes un service juridique de la SACEM, vous pouvez faire votre travail, mais ça ne sert à rien de dire que vous défendez les droits des artistes. Mm-hmm. C'est n'importe quoi. Donc, on s'est pris la tête, et ils n'ont pas voulu bouger. Notre avocat étant seul contre 6, il est entré dans le 6 mètres des gars, tout. La SACEM a été obligé maintenant. Parce que c'est lui qui est allé chercher tous les trucs. De se mettre dans la danse pour pouvoir aller chercher les droits. Parce que ça leur revient. Mm-hmm. Mais l'affaire est trop floue. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nos droits n'ont pas encore été dit, malgré le procès qu'on a gagné. Mm-hmm. Mais quand tu gagnes un procès, on dit qu'il y a un volé, il paye. Oui, rapidement. Il paye. Volet, volet. Mm-hmm. On ne tourne pas. Et donc, après, on a appris que Showbiz a fermé parce qu'il devait y avoir une descente ici au niveau d'Abidjan, tout ça. Donc, il y a eu plein de problèmes. Mais ce n'est pas notre faute. Nous, on a fait que constater mm-hmm. que notre avait été pris à plagier. L'éditeur a pris les devants mm-hmm. et nous, on était assis. Donc, chacun prenait les devants selon son domaine de compétence. Bon, après, nous a traité de tous les noms, mais nous, nos œuvres sont protégées. Mais s'il y a deux artistes qui vont protéger les yeux, c'est eux qui voient. Mm-hmm. Ou un peu. Et c'est comme ça que l'affaire est jusqu'aujourd'hui en justice. D'accord. Et on attend que le droit soit dit. Et que même à notre avocat qui est seul, qui est soufflé, qui est seul, puisse être épaulé par peut-être d'autres avocats mm-hmm. pour qu'on puisse vraiment rentrer dans nos droits. Ouais. Voilà. Nous, on puisse clore ce chapitre-là. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Nous, on n'a pas envie de faire comme lui qui a fait Spectroman, là. Et puis, à 50 ans après, on a dit ses droits. Il est déjà vieux. Nous, on a dit pour nous, on a quitté ici. Ouais. Bon, donc, bref, voilà un peu. D'accord. Ce qu'on a vécu durant ces moments-là. Ah, donc si je comprends bien, c'est ce genre qui a fermé Showbiz. Non. Hein? Maintenant, Showbiz, c'est vous qui avez fermé ça. Non. Ils ont voulu voler, les attraper. Non, en fait, c'est bon. En tout cas, c'était dans la main de la justice. Mm-hmm. La justice a fait son travail. Notre avocat a vraiment été. Jusque-là même, bon, l'affaire continue toujours. Bien qu'on ait gagné le procès. Mais bon, nous, notre souhait est qu'on ne poursuive pas nos frères. Showbiz, c'est nos frères. C'est rien que de nous aider, tout. Maintenant, bon, si après ils ont fermé, nous, on n'y est pas pour chose. On a nos responsables qui étaient chargés de, comme je l'ai dit, mm-hmm. de leur domaine de compétences. Qui ont suivi le dossier. Mm-hmm. Donc voilà un peu. Ce qui est à retenir, c'est que. Le droit de l'artiste doit être respecté. Ouais. Voilà, le droit de l'artiste doit être respecté. Quelqu'un qui réfléchit, qui est inspiré, qui doit être respecté. Et c'est ce combat que nous, on essaie de mener au niveau de la diaspora pour qu'on respecte les artistes, qu'on les prenne au sérieux, qu'on les valorise. Oui, ça on va donc, en parler. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours avec le grand frère de Kiss, de Coupe sur Choc, plage musicale, et on revient. Fafa. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle place musicale du groupe Les Surchocs. Alors, Surchoc se retrouve en Bengue. Mmh. Hein, ça dit que Surchoc, avec tous les succès que vous aviez là, mmh. vous êtes parti quand même rester en Europe. Mmh. Pourquoi les artistes ivoiriens, vous êtes comme ça? Moi, je ne comprends pas. Mmh. Et c'est surtout les Zouglous là, c'est eux leur travail. Ça dit que premier album, succès. Deuxième succès. Troisième succès. Quatrième succès. Cinquième succès. Pensez, Bengue, c'est comme de l'eau. C'est vrai que toi, tu ne t'es pas vite calé là-bas parce que toi, tu venais étudier tout ça, mais tes gars, ils sont allés rester là-bas. Et du coup, voilà, ça agit sur votre carrière aujourd'hui. C'est vrai que les enfants aujourd'hui, avec nous, là, vous nous avez bercés. Maintenant, nos petits frères, là, vous ne les avez pas bercés parce qu'ils ne vous ont pas connu. Pourquoi vous faites ça? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas expliquer. Mais tu vas comprendre parce que tu dis pourquoi on fait ça. Toi, quand tu vas arriver, tu es arrêté. Qui c'est moi? Toi, c'est quand tu es arrêté. Non. Ah, tu fais dire non. Prophétise quoi? Non, il prophétise pas. Tu es arrêté.
Non, mais je rigole, tu sais, c'est dommage de constater la fuite des cerveaux. Et c'est le plein même de l'Afrique. Voilà, quand vous voyez vivait, les gens allaient étudier en France et puis ils revenaient. Un peu. Et c'est dommage. Au niveau même footballistique et tout ça, c'est la même plaie. Voilà, même que ce soit les athlètes, il n'y a pas de, y a pas de, de volonté politique. Mm-hmm. Ce qui m'a frappé même, il dit volonté politique, parce que ça fait 20 ans, on va dire 15 ans, il est en France. Il va et revient. Avant, il y a la télévision, journal, mais on ne parle de volonté politique. Donc, depuis, il y a fait des volontés politiques. Mais il faut qu'on se réveille, tu vois un peu. On a les moyens, on a les potentialités, il y a tout ce qu'il faut. La majeure partie de ceux qui sont ici, ils défilent en France, ils reviennent, donc ils vont, ils voient ce qui se passe, ils copient, mais il faut qu'ils mettent à profit. Faut que ça serve au pays. Il faut qu'à un moment donné, on mette en place tout. Moi, j'ai regardé une émission un jour où il y a un jeune qui fait du karaté, un truc comme ça, il a oublié son nom. Il dit non, il n'est pas de loin parce qu'il n'avait pas les moyens. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ça. Qu'il y a des piscines où il n'y a pas de choses. En 2000, combien là? Toi aussi. Côte d'Ivoire qui est envié par tout le monde. On peut faire beaucoup de bonnes choses. Et ça, c'est des éléments qui vont freiner la fuite des cerveaux. Vous mangez déjà, vous êtes allé rester en France. Mais c'est pas ce qu'on mangeait. On est allé rester en France, pourquoi? Je vais t'expliquer. Voilà, faut expliquer. C'est ça qui m'intéresse. Mais c'est l'une des raisons. Mm-hmm. Qui dit on mangeait. Nous, on a fait la promotion de Garba d'Atito. Parce qu'on se plaisait dans ce Garba, dans la coupe commune, tu comprends un peu? Mais quand on sort et que souvent on mange du pain à l'oubo ou bien tchongo, il n'y a pas quelqu'un qui est à nous. Tu comprends un peu? Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est à nous. Mais ça nous empêche pas de prendre notre tam-tam, de marcher de très ville à Makoli Koumassi pour aller gagner des gens qui sont attristés. Mais quand on finit ça là, quel mécanisme a été mis en place pour valoriser, pour insérer ces jeunes-là dans la société? Quoi? S'ils ne sont pas appelés microbes, ils sont appelés vagabonds. Tu vois un peu, non? Voilà. Pourtant, il y a des choses à faire. Tu vois un peu? Et c'est ça qui ont fait qu'on n'avait pas tout. Tu nous voyais, il y avait le succès. Mm-hmm. Notre vrai succès, c'était quoi? Quand on sort, les enfants courent derrière nous, à foule derrière nous. Voilà le succès de l'artiste. Donc tu veux dire que. Au niveau du Burda. Ça a trop vendu les cassettes ici? Cassettes. Tu as trop payé les cassettes? Tu as dit cassettes? Oui. La meilleure vente en notre temps, c'était. Les salopards, ils ont dit, un matin, ils ont dit non, ils ont fait 100 000 cassettes. C'est ce jour-là, on a entendu qu'il y a une meilleure vente. Ça équivaut à combien les 100 000 cassettes, ils ont eu combien? Si on te dit, tu vas tomber. Normalement, une cassette là, bon, c'est juste un rappel. Hein. Oui. Une cassette dans le temps, quand un artiste vend une cassette, il a combien dessus? Les cassettes, il y en avait de 1500. Mais l'artiste gagne combien? Le producteur gagnait, c'est quoi, 700 francs. Mm-hmm. Il y avait deux droits qu'il fallait payer. Mm-hmm. Et l'artiste s'est retrouvé à être 300 francs. 300. Mais c'est minable, ça fait pitié. Tu comprends? Ça fait pitié. Et on vit ça. Là, même encore, c'est grave, c'est piraterie à outrance. Personne ne dit quelque chose. C'est normal. Tu vois un peu? On vend des CD, des albums devant des commissariats, c'est normal. Ça pirate, il n'y a pas un éveil de la conscience des gens, il n'y a pas une sensibilisation du consommateur. Celui qui aime les artistes, là. On peut pas lui dire non, si tu fais ça, tu tues l'artiste. L'œuvre d'esprit est banalisé, c'est normal. Tu vois un peu? Heureusement que le Burda se bat aujourd'hui pour que des gens qui jouent des zouglous dans les maquis, donc c'est pour te dire que je te parle de 2018. Hein. Oui, bien sûr. Toi tu parles de notre départ en 2002 ou 2001. Je vois les cas, imagine ce qui s'est passé. Donc on n'avait pas. On ne vivait pas de notre art. Non, ça veut dire qu'à l'époque où ce choc marchait, vous voyez toujours sapé à la télé, bien joué, vous n'aviez rien. On se battait pour se saper. Hein? Oui. On se battait pour se saper. On était le premier groupe à porter d'Orsède. Il fallait ça. C'est-à-dire que tu sacrifies souvent ton spectacle où tu gagnais en son temps 150 000 francs ou 50 000 francs, tout, pour faire ça. Tu vois, pour paraître bien devant les gens, pour vendre ton image. C'est important. Tu vois un peu? C'est important. Heureusement pour nous, c'est chaud. Franchement, la musique nous a tout donné. On a eu des tournées avec des marques qui faisaient des tournées, je n'ai pas fait de la publicité ici en son temps, qui tournaient dans la sous-région, enfin dans la région. Tout ça, vous avez. Voilà. Mais pour te dire que quand tu finis là, non, frère, tu n'as pas. Souvent même, le premier artiste à avoir du goût, à avoir vendu ce dernier, c'était petit Denis. C'est vrai. C'était petit Denis. Tu comprends un peu? Voilà. Est-ce que c'est pas parce que lui voulait avoir voiture, vous voulez pas avoir voiture? Non. Ben c'est ça, moi, je veux savoir. C'est pas parce que lui voulait avoir voiture, nous, on ne voulait pas avoir voiture. Nous, on avait les moyens d'avoir voiture. Tu comprends, non? Les moyens d'avoir une voiture,
on avait ces moyens-là, tu vois un peu. Mais pour te dire que quand les choses ont commencé à prendre au fur et à mesure, c'était autant des petits déni au fur et à mesure, ça commençait à prendre tout, tout. Nous, on avait valorisé le phénomène des parrains et autres, tout ça. Ils ont commencé à aider les artistes. Jusqu'au bout, ça existe, tu vois un peu. C'est sur choc, c'est nous qui avons bluffé les parrains. On a commencé à mettre en place des trucs au niveau du groupe, le parrainage. Pour dire qu'il faut quelqu'un pour nous aider. Et c'est dans ça que Denis est arrivé, ce que vous avez connu, sa désintoxication, plein de trucs, tu vois un peu, voilà. Donc l'artiste même, il vit pas de son art. Donc si Suchoc est resté en France, parce que Suchoc n'a pas... On est resté en France, parce chaud, on est resté en France, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait rien. On était bien vu, mais on n'avait rien. Il n'y avait pas de réel encadrement. De toute façon, vous les artistes aussi, là, quand vous avez un peu de succès, c'est les mousseaux, c'est le chéri, c'est les femmes, l'argent dans les femmes, l'argent dans la boisson, tout ça. Il y a les politiciens qui ne sont pas artistes et puis ils ont mousseaux. Ils ont deux officiellement, tout le peuple sait. Et puis ils boivent, tout le peuple sait. Et voilà. Il y a les citoyens ivoiriens qui sont pas artistes et puis ils ont une femme, tout le monde est par là, je dis, les femmes le frappent, ou bien ils frappent les femmes. Ça, tout le monde, ça n'est pas un fait qui est propre à l'artiste. L'artiste est une valeur sûre. L'artiste est celui-là même, certainement, effectivement, qui est approché par des femmes parce qu'il il dégage quelque chose. Voilà. Voilà, il bluffe les autres. On bluffe les amis, on dit le nom des gens dans les zougous, non, on bluffe les gens, quand on dit tel nom là, toi tu as fait dangereux, quand tu remets, il ne ressemble pas à quelque chose. Tu comprends? Voilà. Mais c'est Zougou qui fait ça. Mais le Zougou qui fait ça là, qu'est-ce qu'il retrouve en retour? Son Zougou qui est commercialisé là, qu'est-ce qu'il a en retour? Il y a tous ces vrais problèmes là, tu vois un peu. Mais quand l'artiste ne gagne pas, il meurt deux fois, trois fois, quatre fois. Nous, on n'a pas tenu, on est parti. C'est vrai que on aime la Côte d'Ivoire, on a envie de faire rêver nos fans. On ne voulait pas que les gens nous oublient. Mais on s'est dit non, mieux vaut être esclave au paradis que d'être roi en enfer. Mieux vaut être esclave au paradis que d'être roi en enfer. Ça, c'est un doc. On a chanté ça. Être esclave au paradis que d'être roi en enfer. On a chanté ça parce que pour nous, c'était un enfer. C'était pas normal que des gens qui sont considérés comme peut-être des Michael Jackson de leur pays ou qui sont suivis par les gens. Ne puis pas vivre une autre réalité, c'est-à-dire que vivre de faire tout ça là. Tu fais tout ça. Quand tu rentres assis là, tu vas t'asseoir au bata, le bata qu'on aime bien, tu es assis, et puis le soir on mène là, on est là, puis nous on dort. C'est joli, hein. Il y a la lune, tout ça là, le vent nous tape partout, pour, c'est joli, tu vois un peu, non. Mais quand tu sors, il y a des réalités, il y a des charges. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Il faut un encadrement, il faut un système dans la société. Tu comprends un peu? Il y en a qui se font du flou, c'est normal, c'est bien, ils sont producteurs tout, tout. Mais l'artiste doit vivre. Ouais. Il faut créer des choses pour les artistes. D'accord. Tu vois mieux? D'accord. Voilà, parce que nous, je dis ça parce que, sur choc, pourquoi on revient avec un festival? C'est pour dire aux jeunes du ghetto, nos amis, qui veulent perdre d'espoir, qu'il ne faut pas perdre d'espoir. Du fumier, Dieu te fait asseoir parmi les grands. Tu veux quitter là où, dans la poubelle, et puis tu vas aller où nous sommes arrivés. On n'est pas encore arrivés, hein. Mais on veut être un exemple pour ces jeunes-là, pour ces jeunesses-là. Pour leur dire, au lieu d'aller faire autre chose qui n'est pas bien, nous on est passé par là, on a frôlé beaucoup de choses. Regardez-nous, vous pouvez réussir. Voilà. Tu vois un peu? Mais qui nous a aidés? Qui nous a poussés? Voilà. Donc, c'est aussi ça part du travail de chacun, un travail sur soi, mais il faut un modèle. C'est ce modèle que nous, on veut représenter. Donc, le fait d'aller en Europe, ne nous blâmez pas, on demande pardon à nos fans. Non, en fait, moi, je suis dans la peau du fan, du musulman. C'est ce qu'il dit, c'est ça, ça te fait mal, par exemple, tu aimes Zanambé ou... Oui, non, j'aime pas, donc, parce que... Mais ce qu'il y en a te dit, si je avais un répertoire de 350 et quelques chansons, quand ils entendent les groupes chantent des choses, il y a des chansons, des répétitions de Sichok que les gens chantent. Tu vois un peu. Et ils prennent quelques dons. Oui, seulement c'est le Zougou, tu vois un peu. Mais le répertoire est encore là, il n'est pas fini. On sort notre dixième album. C'est que si Sichok veut te faire un concert de 4 heures, on te fait un concert propre de 4 heures en live, danse, chanson, tout dedans. Il n'y a pas l'homme, c'est pas blanc. D'accord, mais. On n'est pas encore fini. On est pas oui, non, en fait, moi, je voulais savoir parce que vous allez faire un concert, vous allez chanter vos grands classiques et tout ça. Ça va déjà full, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait pas, les gens seront en jaillis. Mais il faut de la nouveauté. Votre nouvel album, est-ce que vous pensez que ça peut faire le poivre? Parce que les nouveaux artistes là, ils sont trop dangereux. Il y a, comment ils s'appellent, il y a Révolution qui fait mal. Il y a les patrons qui sont positionnés, c'est vrai, c'est tout ça, c'est vos petits. Mais est-ce que vous pouvez rivaliser les petits là-bas? Ils sont dangereux. Est-ce que vous êtes toujours. Mais la fierté d'un père, c'est de voir son fils grandir.
comme on a l'habitude de dire, l'humilité précède la gloire. Nous, on est restés nous-mêmes. On est restés simples, on est restés nous-mêmes. Mm-hmm. Vous comprenez un peu, parce qu'on sait d'où on vient. Et donc, le succès des petits frères ne peut pas nous inquiéter. En aucun cas, tant que c'est le Zouglou qui gagne, ou même si c'est le coupé des carrés qui est une dérivée de Zouglou, parce que ça provient de Zouglou. Voilà, c'est le début des magasins, puis Sanga, espoir 2000, que le coupé des carrés est parti. Même quand tu prends 12 sagas, nous on était à Paris, c'est les petits Denis qui ont intervenu dans le morceau. Ouais. Donc le Zouglou reste la mère de la musique ivoirienne. Mm-hmm. Voilà, c'est comme la philosophie qui est la mère de la science. Mm-hmm. Bref, donc Aloukou est la grand-mère de la musique ivoirienne. Aloukou, Zouglou, ça va se quitter. Oui, c'est ça, Zouglou c'est une appellation, mm-hmm. c'est un esprit. Sinon, c'est Aloukou, c'est le Laga Digbo, c'est tout ça, tu vois un peu. Voilà, c'est le thème matin. Est-ce ça. Que vous pouvez rivaliser les petits? C'est ça qui s'agit. Non, franchement, la vérité que je peux te dire là, un petit peut rivaliser son père. On est ensemble. Mm-hmm. Mais sinon, qu'on essaie qu'on est. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vous parle de 4 heures de live. C'est pas derrière des grammages ou non. C'est 4 heures de live avec chorégraphie à l'appui. Parce que nous, on envoie chorégraphie dans un groupe. Toi seulement. Voilà. Tout ce qu'on connaît sous choc. Le gars que c'est tout le monde a remarqué. Non, là. Tout le monde danse. C'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Tout le monde danse. Voilà. Super. Pour clore le chapitre de quoi? Voilà, de votre carrière avant, moi je veux juste demander, on a entendu dans beaucoup de chansons Zougou que le producteur m'a volé, tout ça. Est-ce que c'est vrai qu'à votre époque, les artistes se faisaient voler par les producteurs? C'est notre époque. Peut-être ça continue même aujourd'hui. C'est-à-dire que l'artiste, il vend 1000 cassettes. Ouais. Le producteur s'arrange là-bas, les gars, il vient dire non, tu as vendu 200, mais 100 cassettes. Ah. Tout l'argent, il est poche. Mais on sait comment ça se passe. Bon, après, il faut dire que faut saluer quand même les producteurs. Je prends d'autres. Bon, il y en a qui n'ont pas me décidé parce que ça va faire de la publicité, mais il y en a qui se défendent bien, qui apportent quand même le plus aux artistes. Mm-hmm. Mais ce que nous avons vécu dans le temps, vraiment, c'était atroce. C'est-à-dire qu'un artiste, il sort un album, ça marche partout dans les coins, tout. Et il n'y a même pas 300 francs CFA pour prendre un Wororo pour aller au Burda prendre ses droits, ça fait pitié. Ouais. Et tu prends Lucien Kwame, je ne dis pas oh, j'étais là, et qui quitte Bassam à pied. Il arrive au Burda, son morceau joue comme ça, et puis il arrive, on lui donne 300 francs CFA. Et puis ces droits ne sont pas rentrés. Mais je suis resté à lui, mais c'est, attends, c'est quoi ça là? On a vécu des choses. Venir rendre hommage au monsieur. Hein? On a venu. Alors que c'est eux qui l'ont tué. Non, c'est pas eux qui l'ont tué. Ça, il y a eu des choses passées. Mais quand ils l'ont tué, de pas tuer quelqu'un. Non. Mais c'est, ça fait mal. Tu vois? Et c'est pourquoi d'ailleurs même je salue quand même le travail qu'est en train de faire aussi la directrice du Burda, bref, pour pouvoir vraiment faire évoluer les droits d'auteur. Tu vois un peu? Je suis choc arrive en France. Voilà. Je suis choc arrive en France et tout. Vous étiez des superstars à l'époque. Ça, c'est pas comme un artiste qui a moussé un peu qui est arrivé en France. Là, vous étiez des superstars. Maintenant, le superstar arrivé à ce moment commence à grossir. Ça se passe comment? On voit le grand Dekis qui a fini à danser des nyakpas à la télé, on le voit en télé. C'était quoi ton premier dossier? Mettre chien aussi comme les autres ou bien Ménage. Ménage ouais. À plonge. Non. Mais ménage, nettoyer dans. Voilà. Ah non, tu as nettoyé souvent chez les gens qui t'ont reconnu tout ça. Mais c'est. Attendez, un dossier aux ancêtres d'abord. Oui. Voilà, pas ici chez moi, voilà. J'ai fait le ménage parce que j'ai voulu tester. J'ai voulu voir un peu. Il n'y a pas mes papiers, même. J'ai pas mis de mon grand frère. Les parents se ressemblent. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'ai fait ménage au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est là où se trouve le cœur même militaire même de la France. Tu vois, dans un peu le Quai d'Orsay, il y a les renseignements de nous. C'est là-bas, il dit aussi. Donc, il prend et puis il dit là-bas. Voilà. Et puis il dit aussi, puis il sort. Mm-hmm. Voilà. C'était pas pour que tu rentres pas là-bas. C'est pas Degbes, moi je l'ai vu, j'ai fait ça. Donc ça c'était en 99, tu vois non. Bon, j'ai fait ménage parce que pour moi, quand on arrive quelque part, il faut s'insérer, il faut s'adapter, il faut vraiment être dans le truc. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui arrivent quelque part et puis c'est facile, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi. Non, je dis mais il faut qu'ils fassent quelque chose. Pour moi, ce moment même d'y manger, je ne veux pas faire ça, pas il fait froid. Je me lève à 4h du matin. Je me lève, mes doigts me sont gelés. Soit même morts, tu ne sais pas. C'est sec. Tu ne sais pas même. Lui qui est pas toi, il sait que ça coule. Toi, tu ne sais pas. Ta peau est sèche. Ouais. Donc, tu ne sais même plus rien. Et puis, on te lame pour rien, t'as fait que c'est froid qui fait ça. Lui, il fait tous les jossies. Et des fois, il m'arrivait de jossies comme ça. Et puis, mes lames coulent parce qu'il dit ah, tu
Cho, chez moi là-bas. Là. Il n'y a pas tout ça. C'est une meute. Quand il sort comme ça là, c'est Singapour qui est dehors. Ouais. Tu vois un peu? Mais bon, mais ici, on est resté là jusqu'à. Bon, on a fait avec. Quand le petit jeton aussi rentre, tu sens que tu te défends un peu. Ouais, tu peux jeter un peu. Ouais. Si tu es un petit frère ou des gens, des amis qui sont au quartier, tout ça. Voilà. Donc c'était un peu ça. Voilà, on était obligé de passer par là parce qu'il n'y avait pas un mécanisme qui était mis en place au niveau, par exemple, de l'Afrique. Un mécanisme d'insertion. Tu vois? Au niveau de peut-être des diplomaties africaines, tout. C'est vrai, les gens partent de chez eux pour X raisons. Mais celui qui fait la force des blancs là, c'est le social. Blanc là, sa force là, c'est le social. Il se dit que quoi? Quand toi tu arrives là, si tu n'as pas papier, tu peux arriver avec en cause et cause. Tu peux arriver avec tuberculose. Donc qu'est-ce qu'il fait? Sa première prérogative là, cette prérogative, c'est d'abord de savoir si d'identifier. Quand tu as identifié là, comment tu vas te soigner? Si tu ne veux pas avoir l'argent, quand tu arrives, on te soigne. Parce que si tu ne t'as pas soigné, tu peux contaminer 2, 3, 4 personnes et puis de quoi être gâté. Voilà ce qui fait le développement, le social, tu vois. Tu peux ne pas avoir pas bien, on te donne l'aide médicale État. Tu dois te soigner, on te paye gratuit. Tu arrives. Il ne faut pas arriver à aller loin même. On te soigne vite. Et si ça va loin là, ça va être un budget. Ça va être des investissements encore. Et ça va nuire, ça va détruire le pays. Tu vois un peu. Donc il fait se trouver à la racine. Tu vois un peu. C'est ça. Et donc, quand tu arrives, on te prend en compte. Le social. Donc, même si le gars part pour X raison, il faut un accueil. Il faut du social. Parce que si lui est dehors, on peut aussi l'attraper. Si on l'attrape, on peut le rapatrier. Ou bien, il peut y avoir beaucoup de choses, tu vois. Nous, on n'avait pas. Il n'y a pas de guide. On était nous maintenant guide. Oui, mais attends. Tu arrives chez ton frère, même peut-être des vraiment attention, mais t'es bien dehors. T'es bien dehors. Tu te laves toi à mon eau. Tu gaspilles, tu es sur la douche aujourd'hui, il y a à savoir si tu es en couple l'eau là. Tu gaspilles l'eau chaude. C'est la réalité. Ouais. Et là, on veut dire ça, non, c'est. On te met dehors en plein hiver. Tu es assis comme ça. Tu vois un peu. À 0 degré. Tu es à 0 degré. Tu vois un peu. C'est compliqué. Donc, il y a des réalités. Ce n'est pas un plaisir forcément de vivre ça. Mais comme je t'ai dit, à des moments où tu dis non, mieux vaut être esclave au paradis que des droits en enfer. Donc, tu pars. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2000. Là, même dans le millénaire, il y en a qui prennent, qui vont faire bras de fer avec les dames de la mer, avec des requins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de rester chez eux. Mais il est chez lui, mais puis même, tu en gommes, il ne gagne pas, il ne mange pas. Ouais. Tu vois un peu? Donc, voilà, tout ça. Donc, c'est ce qui nous a amené à aller faire souvent des jossies aussi, tu vois, pour pouvoir être stable. D'accord. Et là, on ne peut pas baisse. Après, on cale là-bas parce qu'on cherche baisse. Quand tu ne cales pas là-bas là, pour pouvoir revenir au pays, il y a des démarches. Il faut payer, pour rien laisser passer. Souvent, c'est 100 euros, 103 euros. Le gars, il ne jossie pas, il va gagner ça où? Donc, laisser passer, mais qui va payer pour partir là? Il ne gagne pas. Donc il a mis de passer, mais il ne passe pas. Récemment, c'est important de lui dire, on fait un reportage sur un Ivoirien. Tu sais ce qui s'est passé? Il a marché de Paris. Et puis parti à Marseille, parce qu'il devait venir en Afrique. Lui, il allait en Côte d'Ivoire. Donc c'est chemin sur le chemin que les gendarmes l'ont arrêté. Il marchait en sens inverse sur l'autoroute. Or, l'autoroute là, c'est au moins 130 km tout. Mais lui, il marchait. Il allait contre le danger. Parce que c'était dur là-bas. Il en avait marre, il veut rentrer chez lui au pays. Il doit arrêter. Il dit pourquoi on l'arrête. Les gendarmes disent non. Pourquoi il marche là? Il dit il va en Côte d'Ivoire. C'est passé au journal. C'est passé au reportage. Il va en Côte d'Ivoire. Tu vois? Il en avait marre. C'est dur. La France est dure. Il n'arrive pas à s'en sortir. Ils l'ont emmené dans un centre de secours, dont le social pour l'assister. Et là-bas, ils lui ont donné ce qu'il y a à lui donner. Il lui dit non. Est-ce qu'il peut. Il savait qu'il allait avoir une amende. Il s'en fout d'amende. Lui, il veut aller à Abidjan. Là-bas, là, il est mieux. C'est vrai que c'est dur, mais il ne savait pas que ça allait être dur ici. Pour dire que quand il y a le social, on t'essaie. Ouais, quand il y a le social, c'est encore plus facile. C'est plus facile. D'accord. Dans notre calé, là-bas, il faut laisser, ce n'est pas grave. C'est ouais, non, mais que, ça s'est passé là. Maintenant les baisses sont là, donc il y a faute. Voilà, là tu tournes. Mais dis-moi, mais est-ce que vous n'avez pas été sujet à des moqueries, tout ça? Bon. Par déjà nos frères ivoiriens qui étaient déjà sur place. Là-bas. Qui commençaient à dire, ah, ceux-là sont tombés, ils sont ici, ils lavent assiettes, ils lavent dans la maison des gens, ils tirent les chiens, ils font les trucs comme ça. Est-ce que vous n'avez pas été victime de moqueries? Et même au bâtard, même, à un moment donné, on s'est moqué de nous aussi. Parce que quand nous camarades, avant le décès de nos camarades, on a eu 3 ans de flottement, on n'a pas fait d'album, où les pousses chocs sont sortis, tout ça, tout, voilà. Bon, c'est nos
petit frère qui était allé à notre école, tout ça, bon, ils sont sortis. Donc à un moment donné, il y a un flottement. C'est bon, nous on dit, ah, vous n'êtes plus à la mode, vous êtes chaud. Bon, il y a des moments comme ça dans la vie d'un artiste, tu vois. Mais pour nous, on peut passer en balle. Là-bas, les gens disaient, non, les gars, Jossi a pris pour vous, hein. Mais ils savaient le dire. Là-bas, les gens parlent de diplomatie, tu vois. Parce que les mots, les places, il ne faut pas attention, tu vas en prison, encore un mot. Donc, les gens savaient le dire, non, bon, il n'y a pas de moquerie, souvent c'était des encouragements. Vraiment, revenez, vous nous avez fait rêver, revenez. Et c'est des éléments qui nous ont vraiment motivés. Ouais. Voilà, ouais, super. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec le grand frère Deki Souchok. Voilà, le micro, il est à toi. Il faut dire ton mot de fin. Puis, Mon mot de fin, vraiment, je voulais dire d'abord merci à Ivoire Musique TV. Grand merci pour ces idées nouvelles que vous apportez au showbiz, parce que c'est on voit ça tous les jours là-bas, mais quand ça se trouve chez nous, on se dit mais il n'y a pas vraiment d'écart, peut-être l'écart est ailleurs, mais franchement chapeau. Merci. Et puis je voulais dire merci vraiment à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux gens qui ont aimé le groupe Souchok, qui nous soutiennent, qui font que vraiment on existe. Ne nous oubliez pas, on n'est pas fini. C'est les vieilles mamies qui font les bonnes sauces, on est toujours là. Voilà, on est prêt à vous servir. Et à tout moment, on a commencé à revenir avec un festival très chungwa au Batanikro. Chaque année qu'on fait, on viendra encore avec de nouveaux sons. Et ne dites pas que tel artiste, non, on est tous ensemble, on est pareil. Et je voulais dire merci. Merci vraiment à ceux qui nous soutiennent. Et saluer aussi tous les artistes de la diaspora, le MODER, qui est le mouvement par excellence. Et demander vraiment aux hommes, aux autorités qui ont les moyens de faire en sorte qu'on ait une maison de culture en Europe. Parce que la Côte d'Ivoire a droit à ça. Voilà. Si nous avons construit la cathédrale, nous avons construit la tour Eiffel, on peut faire mieux. Il y a un centre culturel français en Côte d'Ivoire qui peut avoir une maison de la culture aussi en Côte d'Ivoire en France. Pour que le plus grand bastion de la diplomatie ou même de la culture. Et vraiment nous aider, parce qu'on a besoin de ça. Quand la culture est forte, alors tous les peuples s'identifient par la culture. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à travers les cultures. Si la France devient ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à travers la culture. La Chine aussi, c'est souvent, on entend dire des gens, que la culture est le dernier ministère, le plus gros, le dernier souci. Non, ce n'est pas le dernier souci. Parce que la voix d'un seul artiste est la voix d'un million de personnes. Donc, c'est des choses à prendre au sérieux. Il faut qu'ils nous épaulent pour que ça, c'est un peu la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, les gens ne doivent pas partir par l'eau, dans la dent de la mer, tout. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais il y a des choses. Il faut vraiment aider la jeunesse ivoirienne. Il faut laisser les problèmes des personnes. Il faut s'unir, il faut être ensemble pour aider la jeunesse ivoirienne, pour que vraiment la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, qui est un beau pays, soit toujours dans la bonne ambiance, dans la joie. Nous, en tant qu'artistes, on va toujours véhiculer des messages de paix, de joie, d'amour, tout. En tout cas, merci à vous pour le showbiz. Et puis, merci aux artistes aussi qui font beaucoup, voilà, pour que la Côte d'Ivoire reste toujours debout. Merci mesdames et messieurs, voilà qui est bien dit. C'est un vieux père qui a parlé. Il y a longtemps, il est devant les caméras, donc ouais. Il ne faut pas l'envoyer quelque part. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur la chaîne par excellence, la chaîne qui vous procure de très bonnes émotions. Ivoire TV Musique. Voilà, c'était le dernier pour vous. L'émission Fafa, elle est finie. On s'attrape la semaine prochaine, même heure, même antenne. Voilà, tu as Mia. Voilà, tu as Mia. Zio, reka. Zio, c'était tel jour, j'allais en boîte. Amusement fini quand c'est doux. C'est fini.